Bon, ça m'a paru bizarre, même de loin, j'y croyais pas. Donc, bah, tu vois le bois là-bas, là, je l'ai vu sortir. C'était ce matin, quoi. Bah, il est passé par là à poil dans sa mobylette et après j'ai rien compris. Tout d'un coup j'ai vu un mec dans sa mobylette à poil. Oh. Le voir passer comme ça, je vous dis tout nu, mais vraiment ce qu'il s'appelle, il n'avait rien sur lui à part il tenait le guidon comme ça et puis bon il chantonnait, il est passé, il disait vive la funk, vive la funk. Oh, j'ai dit à mon avis, c'est pas une question de funk ou quoi que ce soit, c'est que là franchement il doit carburer, mais je sais pas quoi il carbure. Eh, vive le funk à poil, c'est plus de la funk là, oh, faut arrêter là. Hey, keep the funk alive! Pourquoi tu conduis comme ça là? De l'autre côté là. Vive le funk, nanani! Eh, oh. Hey, 4 funky! Hey! Parce qu'à poil sur un vent-vent, mais dans un quartier, il est complètement fou. Fais gaffe. C'est pas de peine que tu fais ça. Tu comprends? Il est complètement baisé. J'ai couru derrière lui, ben j'ai dit oh, qu'est-ce que t'arrives? Après il me dit comme ça, oh c'est pas normal ça. Si c'est le funk à poil sur le bon vent, faut le démonter celui-là. Hein. Il passe le mec sans pitié, vive la funk, vive la funk. Oh, on the road again, get funky! On va trouver une solution, je t'ai dit, on va le mettre, je crois que le vent là, on va lui faire bouffer, pièce par pièce. Comme ça il va voir c'est qui, le mec il veut s'installer dans le quartier, il veut jouer au show, ben on va le remettre à sa place. C'est pas ça pour nous la funk, c'est pas ça.